Salut mon pote! Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur le passe-muraille et la planche, comme tu as pu le voir, qui sont deux mouvements de parcours qui vont très bien l'un avec l'autre parce que tu peux faire la planche sans faire un passe-muraille, mais tu peux pas faire un passe-muraille sans faire la planche. Enfin, ça sert pas à grand-chose. Parce que si tu fais un passe-muraille, il faut bien que tu montes au-dessus en faisant une planche. Donc je vais t'apprendre ces deux mouvements. On va commencer par le wall run, on dit comme ça en anglais, et on finira par la planche. Donc maintenant c'est parti pour apprendre le passe-muraille. Alors à quoi sert le passe-muraille? Déjà le passe-muraille c'est un mouvement essentiel et basique du parcours, un peu comme la roulade. À quoi il sert donc? Il va te servir à passer au-delà d'un mur comme son nom l'indique ou monter sur un toit, ce qui revient un peu à la même chose. Le mouvement du passe-muraille en lui-même. Donc, tu vas courir vers le mur. N'essaie pas de courir trop vite, car si tu vas trop vite, tu vas t'écraser contre le mur. Ta vitesse ne servira pas à grand-chose. Ne va pas trop lentement non plus, sinon tu n'auras aucune vitesse pour monter. Donc, tu vas à une allure plus que modéré, donc un peu plus vite qu'un footing. Arrivé à 1 mètre du mur, je vais faire selon mes pieds d'appui et tout ça. Tu poses le pied droit à environ 1 mètre. Tu montes le pied gauche sur le mur à environ en hauteur de ta hanche. Et tu te propulses vers le haut. Ça, c'est important. Faut vraiment que tu te propulses vers le haut. C'est parce que la plupart des gens au début, ils arrivent vers le mur. Et ils se repropulsent vers l'arrière, parce qu'ils n'arrivent pas à transformer leur énergie, leur vitesse horizontale en vitesse verticale. Ils font comme un rebond en fait, comme ceci. Tu vois? Au lieu de chercher à monter, je me suis directement repropulsé vers l'arrière. Il faut vraiment chercher à monter haut, à visionner le fait qu'on attrape le haut du mur qu'on va attraper. Donc tu te propulses bien vers le haut. Tu l'attrapes, moi je l'attrape à une main, tu l'attrapes, tu mets la deuxième main et tu montes en faisant la planche qu'on verra par la suite. Donc j'ai oublié de te dire aussi, en arrivant vers le mur, tu as un, pour moi, comment je, selon ma technique, j'ai le bras opposé à celui qui va appuyer sur le mur, le bras opposé à la jambe qui va appuyer sur le mur, je la lance en arrière et et mon bras gauche. Je vais faire comme mon pied en fait. Je vais m'aider pour grimper. Il va appuyer sur le mur comme ça, il va me diriger vers le haut. Et mon bras droit, il va m'aider à partir vers le haut. C'est au tour des conseils pratiques maintenant. Donc premièrement, une des choses fondamentales, échauffe-toi bien les chevilles. Autant dans le flip, mon tuto précédent, il fallait super bien s'échauffer les poignets. Là, c'est les chevilles qu'il faut bien s'échauffer. Tout le reste du corps aussi, bien sûr, mais vraiment les chevilles. C'est les chevilles qui vont prendre cher dans ce mouvement-là. Donc, ce mouvement-ci, ceci, ou alors tu peux le prendre dans ta main. Tu peux prendre ta cheville dans ta main et la faire tourner. Tu appuies sur le mur, hop, détendre tes ligaments un petit peu. Croisant mon expérience, je me suis blessé en faisant un passe-muraille, j'en ai eu pour 8 mois. Ma cheville a trop appuyé sur le mur, ça a craqué ici. On entend une trace, je sais pas si tu vois. Elle a craqué, fracture avec les ligaments cassés, tout ça. Bon, bref, je n'en compte pas. Échauffe-toi, mais un point essentiel. Un autre conseil pratique. Quand tu t'entraînes, comme je t'ai dit, ça va être un entraînement répétitif. Il va falloir que tu répètes le mouvement. Passe-muraille, passe-muraille, passe-muraille. Tu vas être découragé, mais n'abandonne pas. Visualise-toi toujours en train de l'attraper. Sinon, t'arriveras pas. Sinon, quand tu vas te propulser assez haut, tu vas te dire oh, je suis à la bonne hauteur et finalement ton bras tu vas pas y croire et tu vas pas l'attraper. Donc comme tu arrives, tu fais ton passe-muraille, comme c'est répétitif, il faut pas que tu te fasses mal. Parce que souvent il y a des blessures à répétition.
tellement que là où tu peux te blesser, c'est le fait de sauter pour atterrir. Avant, moi, quand j'ai commencé le parcours, je faisais l'erreur de toujours atterrir sur les talons. J'avais pas en tête d'atterrir sur la pointe des pieds. Au bout d'un moment, j'ai eu super mal au dos. J'ai fait des exercices de souplesse, tout ce qui s'ensuit. Et là, ça va mieux. Et j'ai appris à atterrir sur la pointe des pieds. C'est très important, ceci. Il faut vraiment que tu atterrisses sur la pointe des pieds à chaque fois que tu répètes ton mouvement. T'atterris sur la pointe des pieds, pense-y tout le temps. Alors, après, un autre conseil pratique. Apprends le passe-muraille sur des murs bas. Pour apprendre le fait de faire le passe-muraille et faire la planche directement. Pas forcément très très haut, mais comme si tu pouvais les faire sans faire un passe-muraille. Par exemple, à cette hauteur-là ou même un peu moins. Tu commences, tu poses un pied et tu le fais. Ça t'aidera à apprendre le fait de faire un passe-muraille et après la planche. Et ça te renforcera un peu musculairement et au niveau de la souplesse de la cheville. Un dernier conseil aussi, pour faire un passe-muraille, tu peux t'aider d'un appui que tu poses contre le mur. Fais bien attention à ce que ça tienne, que ça craque pas. Ça, c'est pour t'aider à aller bien vers le haut. Mais prends pas trop l'habitude de prendre un appui. Car sinon, quand tu feras tes passe-murailles, ça va donner ça. Tu vas glisser comme ça et du coup tu vas désespérer, tu vas abandonner. Tu le fais quelques fois pour apprendre à aller vers le haut au tout début, comme sur un petit pas, comme le petit passe-muraille que je t'ai dit de faire. Et après tu t'y mets vraiment sur un mur plat. Ça peut aussi marcher avec un mur incliné. Comme ceci. Pointe de pied. Donc maintenant, la planche, la continuité du passe-muraille. Donc déjà, si tu es débutant, oublie tout de suite cette façon-là de faire la planche. Parce que de 1, c'est très moche, ou pas du tout esthétique, tu récoltes des griffes pour rien, et c'est pas du tout efficace. Je suis sûr que si tu as un niveau un peu plus avancé de parcours, mais tu n'arrives pas encore à bien faire la planche parfaitement, je suis sûr que tu l'as fait comme ça. Ces deux façons de faire la planche ne sont pas les plus efficaces. La plus efficace, c'est celle que je t'ai montrée au tout début, donc, qui consiste à te mettre comme ça sur le mur. Donc, au début, tes mains sont comme ceci, il n'y a que les deux premières phalanges. Le reste, c'est pas au-dessus. Donc, je te mets comme ça. Il faut que tu ramènes tes mains entières sur le mur. Après, tu fais la planche en entier. C'est comme ça que ça marche. Donc, comme ça, et la planche. Donc, pour t'entraîner au début, tu peux commencer par la deuxième façon de faire la planche, un bras après l'autre. Mais ne prends pas trop l'habitude de la faire que sur un bras. Sinon tu ne sauras plus la faire sur deux bras. Tu ne sauras pas la faire sur deux bras. Tu la feras que sur un bras. Donc fais-le sur un bras. Tu redescends toujours en étant sur le mur. Donc je vais te faire un exemple de l'entraînement qu'il faut faire. Et comme ça, tu ouvres les bras. Tu restes sur le mur. Deuxième bras. Et t'enchaînes. Et crois-moi, ça fatigue vite, mais ça muscle très bien. Et tu vas prendre l'habitude de faire des planches comme ça. Donc au fur et à mesure de le faire sur un bras, tu essaieras d'aller plus vite sur le deuxième bras. Et au fur et à mesure, tu feras la planche comme il le faut. Donc, une autre façon de t'entraîner à faire la planche aussi, c'est de commencer sur une hauteur haute où t'es quasiment ton bassin est quasiment au-dessus du haut du mur, comme ceci. Et tu montes juste comme ça. Tu ne vas peut-être pas sentir que ça te travaille beaucoup, mais ça va te faire prendre l'habitude de faire la dernière étape du mouvement. En revenant sur les deux bras. Ça, c'est très important. Donc c'est déjà la fin de ce tuto. Si vous avez encore des choses à me dire ou des conseils à me demander ou encore d'autres choses, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça.
En ce qui concerne le site PKFR World, je mettrai le lien dans la description avec quelques explications. De toute façon, dans mon ancien tuto, j'ai expliqué. Donc, merci d'avoir regardé. Ça fait toujours plaisir. Si vous aimez ce que je fais, dites-le moi. Ça fera encore plus plaisir. Et abonnez-vous, car je ferai encore d'autres tutos par la suite et d'autres vidéos qui ne seront pas que des tutos, des courts-métrages et des vidéos de parcours et training, des compilations. Et n'oublie pas, mon pote, never give up. Je compte sur toi.